La secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes assure que ce canal a permis de lancer le grand débat en s'adressant au plus grand nombre. Si vous voulez faire parler d'un sujet politique, il faut mettre Cyril Hanouna dedans. Avec cette phrase, volontairement caricaturale, Marlène Schiappa a réaffirmé sa fierté d'avoir participé à l'émission spéciale Grand Débat de Balance ton poste. En gros, ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est de prendre des canaux, comme l'émission de Cyril Hanouna, et de mettre mes sujets dans les canaux, a-t-elle déclaré samedi dans une interview à Public Sénat. Point pour la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. L'émission a contribué au succès du Grand Débat, qui a dépassé le million de contributions sur son site internet. À cette époque, on en était encore en train de dire « est-ce que le Grand Débat va prendre ?» explique-t-elle dans l'interview. Un record d'audience. Si son choix n'a pas fait l'unanimité, Marlène Schiappa assume son passage dans Balance ton poste et vante ses résultats d'audience. Avec Cyril Hanouna, on a eu je crois 1,4 million ou 2,4 millions de téléspectateurs. C'est un record absolu pour cette émission. Je ne dis pas que c'est grâce à moi, mais j'observe que quand je n'étais pas invité, il y avait 300 000 personnes. Quand je suis invité, il y a 1,4 million de personnes, a-t-elle assuré à Public Sénat. L'émission spéciale avait en effet réalisé un record d'audience, mais les chiffres sont inférieurs à ceux annoncés par Marlène Schiappa. Le nombre de téléspectateurs était de 1,09 million entre 22h10 et 23h20. L'intervention de la secrétaire d'État dans l'émission avait duré plus de 3 heures et fait émerger cette proposition du public, comme le passage d'une TVA à taux zéro sur les produits de première nécessité, l'augmentation du budget des hôpitaux ou le retour de l'ISF.